Si tu veux, ce soir on a un vent d'est sud-est. Donc logiquement le gibier nous rentre de la gauche et va être assez étoilé. Nous le gibier rentre très haut. Donc on va mettre pas mal de champs à l'arrivée de gibier sur notre gauche. Et puis après on reprend avec des cannes si tu veux qu'on a mis sur la droite. Quelques cannes de flaques. Puis après au milieu, bon j'ai mis des oies parce qu'on a fait un gros paquet de bêtes d'oies. Et puis des mâles de colvert à gauche. Tranquille côté gauche. Le but c'est que le gibier arrive de la gauche assez haut, qu'on le fasse baisser. Si on a de la chance, on arrive à le reprendre avec les cannes de droite, puis le faire poser sur la flaque. C'est une petite attache tranquille pour une nuit de fin de saison. T'as eu un bon passage en début de semaine, quelques oies au milieu de la semaine. Bon, hier soir c'était assez calme. On verra ce soir, les conditions sont là. Après, c'est la magie de cette chasse. Hein. On peut voir plein d'oiseaux comme on peut faire une petite bulle. Mais bon, on verra bien. Mystère de la migration. Ah bah là. La chasse à glace est ma chasse préférée. Bah, si tu veux, t'as toutes les conditions qui sont réunies. En général, quand il fait froid, t'as du gibier. Puis chasser à glace, les poses à glace, c'est autre chose. Si tu vois vraiment le canard, tu les vois. Déjà, il fait plus clair en général. Tu cherches moins ton gibier, tu les vois mieux se poser. Ils gèlent depuis lundi. Tu vois, ça fait 4 jours. Une bonne couche de glace. Bah écoute, on a eu un message d'un copain qui a été au Blancard tout à l'heure, hein, qui est plein à ras-bord, doigts, de siffleurs, de soufflés, bah, c'est plein de canards, un espoir en plus. Ouais, je l'ai trouvé, c'est bon, je l'ai. Non, j'ai pas la clé. Attends, si, je l'ai dans la poche. Ouais, dans le casier, ouais. Et voilà. Dans le canard, si tu veux, je mets deux extended. Ça me permet de tirer assez loin. Très bonne cartouche à un aïeul en fait.
comment dire, plus de plomb. Très bonne cartouche. Bon, c'est pas donné, mais bon, moi quand t'as une belle pose, t'es un peu plus sûr du résultat. Alors cette hutte, elle a été construite par mon père, deux oncles. Un de mes oncles qui était un fanat de chasse, qui en venant ici dans le coin s'était aperçu qu'il y a des canards qui passaient, tout était pâture autour avec des petits trous de bombes pour les vaches. Il s'est aperçu qu'il y avait des canards qui venaient se poser dans le coin. Et mon oncle et mon père, qui étaient jumeaux, ont décidé d'acheter cette pâture en 1962. De construire une hutte en 1963 et de passer les premières nuits en 1964. Donc la hutte est chassée par deux frères jumeaux et un autre frère à partir de 1964 et ça depuis aujourd'hui. Alors mon père a chassé il y a 10 ans, il chassait encore ici à la hutte et mon oncle qui a 83 ans chassait encore il y a 2 ans, donc chassait jusqu'à 81 ans. Tu les vois ? Non. Ils sont là. Ça peut bon ? Prêt ? Ouais. 1, 2. D'où les hommes, on a dit que. Il y en a qui vient de l'arrêt. Putain, j'ai brisé les os et quand j'arrive là, je vois pas qu'il est ringlé. Et en cherchant dans la glace, je me dis putain merde, il y a un paquet de poulets. Après ça, je regarde et je rajoute qu'il est là, juste au bord. Ouais, bah je vais aller chercher. Et à ce moment-là, je vois ces canards qui étaient là. On a fait strike. Mm-hmm. C'est bien. Et... quand j'arrive ici, je vois la masse. Ouais. Et pour moi, il y en a 4-5. Mm-hmm. J'étais sûr que c'était des ours. T'as vu le mouvement de Pékin, ça, ça. Ah, il est entendu dans le toit, il est bien parce qu'on va y taper dessus. C'est dur, mais. Ils sont pas cons. Il faut chier. Thank you.
écoute, le câble. Bon, c'est plutôt bien. Ouais. C'est tombé exactement là où tu avais dit, hein. Bah écoute, ça a bien marché. Fil au milieu, à bonne portée, 30, 35 mètres. 6 sur 6, parfait. T'es content? Ah ouais, ravi. Tout le monde est content. La belle pause. Début de nuit prometteur. C'est la migration. Bon, je pense que c'est des canards qui sont un peu sur la Belgique, tu vois. Bon, lui est bien blanc. Tu vois, ils sont un peu sales. Il y en a qui disent que quand c'est sale, ça vient de la mer. Moi, je pense que quand c'est sale, c'est qu'ils sont dans les canaux, dans la boue ou dans... Mais c'est du beau gibier. Toi, un vieux mâle. Un jeune de l'année. Un autre mâle, tu vois. Cette année, on tue quand même beaucoup de jeunes mâles, je trouve. T'expliques ça comment? Bah, peut-être qu'il y a une bonne reproduction. Bon, les jeunes sont plus frileux que les vieux. Les jeunes, ils se battent beaucoup plus facilement. Et tu vois, des beaux mâles comme ça, cette année, on n'a pas... Enfin, moi, personnellement, j'en ai pas fait énormément. Ils sont magnifiques. Hein. Bah, écoute... Première pause, ça fait plaisir. Super. On va ranger ça. On attend les prochains. Allez, couche, couche. Vos oiseaux. Ouais. Ah, mon compteur. Ah ouais, ouais. Combien ils font? Un copain qui fait, un collègue qui fait deux siffleurs. Ah, mon compteur, hein. Deux siffleurs et avec quatre rieuses qui tournaient. Enfin, il y a quatre rieuses qui tournaient, ça va plus. Bon, c'est bien parti là. Bah écoute, ouais. Croisez les doigts. C'est déjà dur, on y croit. Bah, déjà, c'est mieux d'habitude. Hein. Comme diraient nos chasseurs du bouchonnois, nous ne sommes pas gros couilles. Ça, tu coupes. Ça force où, Nicolas? Bah, chez le voisin en face. Je vais aider. Ils me paraissent bien attelés en face. Ouais, ils ont surtout les bonnes cannes. Ils chantent bien.
tard. Qu'il y ait soit qui arrive. Écoute, écoute, écoute. Je fais ça, c'est vous qui arrivez. On le retire. Bon, ils se barrent pas. Et ça dans la poche, c'est bon. Tanguy, c'est bien parti là. Ça paraît bien parti. Quand il est 21h30, on est déjà à deux pauses. Ça tire un petit peu autour. Donc là, on va manger rapidement. Chacun notre tour. Pour pouvoir continuer tranquillement les tours de veille. Ah. Merci. On attaque le cassoulet. On attaque le cassoulet. La nuit va être longue. Prenons des forces. Oui. Un bon cassoulet va nous permettre de tenir toute la nuit. Quand vous tirez les deux bottes, après vous les tirez, ils restent tous les deux comme ça. Ouais, ouais, c'est marrant. Hein. Ils vont se barrer, t'es prêt? Non, en fait, ils étaient coupés. Hein. Ils ont pris, mais nous, il y en a un qui était vraiment derrière l'autre. Derrière l'autre, à la chaîne. Je me suis dit, à mon avis, celui-là, on le fera pas. Ouais. Mais bon, vous étiez prêts à. Ça fait. Ah, puis moi, j'avais les deux mains groupées. Après ça, je me suis dit, peut-être qu'avec la glace, on va couper les trucs et on va en avoir par en dessous. Mais j'étais sceptique sur celui-là. Tu les vois se poser, Nicolas? C'est vrai que. Non, malheureusement. Ils sont posés à gauche, si tu veux. C'est là, ouais. Et avec l'angle des créneaux, je ne les ai pas vus. Mais une belle attaque deux fois. Ils ont tourné chez le voisin. Ils ont dit qu'il y avait des M. Hein. Ouais. C'est quand ils ont forcé. C'est revenu à droite. Puis le chiffre de gauche, j'ai insisté. Parce que là, j'ai regardé. Et t'as ramassé sur la glace hein, pour revenir pas que minute. Parce qu'ils se sont renvoyés deux fois. Hein. Ouais, c'est ce que tu disais. Ah, on l'a vu, moi je les ai vus se renvoyer. Ceux qui se posent sur la glace. Ils font un petit bond et ils reposent sur la glace juste l'un à côté de l'autre. C'est les deux qu'on avait, nous, l'un derrière l'autre. Bon, c'est un pot. Ouais, c'est ça. 11 bêtes. Ouais. Combien de bêtes il est? 11 bêtes. 9h30. Écoute. Ouais. On aurait dit ça hier soir, on aurait signé tout de suite. Non, on est pas mal. Bon, après, les cams sont pas trop. C'est un peu le problème. Non, bah écoute, on tire deux fois. On a une pause de deux, à mon avis, qui se renvoie, qui va retourner chez lui, qui tire. Donc bon. On a eu la pause avant. Non, on est pas mal. Tanguy, tu viens toutes les semaines? Je viens toutes les... J'essaie de venir de toutes les semaines. Ouais, normalement, je viens tous les vendredis. C'est le moment de la détente, c'est pour couper sur la semaine. C'est un excellent moyen de rentrer pas stressé, décontracté dans le week-end. C'est une très bonne coupure entre le travail et le début du week-end. Le siffleur, ça reste le symbole d'Ont Scott. C'est un canard qui a tous les carnets. C'est un canard qui ne tirait pas au début. Au début, il tirait beaucoup de sarcelles, énormément de vanneaux. Alors, c'est pas un canard, mais énormément de vanneaux, beaucoup de bécassines. Et puis le temps a fait que tout doucement, il y a les premiers siffleurs qui sont arrivés pour devenir aujourd'hui le premier canard qu'on tire. Et c'est vrai que. Quand on arrive au mois de novembre, on a tous envie de voir ces siffleurs arriver, les entendre chanter, on a tous attelé les nôtres, on les a préparés une saison dans nos parcs et c'est un plaisir de voir cet oiseau qui est un bel oiseau. C'est marrant, après ça il y a des années où on va tirer beaucoup de souchets, où on va tirer beaucoup de colverts, où on va tirer. Il y a des années où comme ça on va voir, on va tirer un peu de pilé, alors que pendant des années on va pas en tirer beaucoup, puis il y a des années, pouf, il va y avoir des pics où il va y avoir beaucoup de pilé une année, beaucoup de.
En général, peu de plongeurs. Du loin, Morillon, pas beaucoup. Mais ouais. Siffleur, Sarcelle et Colbert. Après, 1, 2, 3. Il est couché à 3h, il est 7h. Ce serait pas une très grosse nuit, mais bon. On vient parler pour dormir. Monstrueuse. Mais ça tournait encore chez nous. Ah ouais. Et tu en même temps. Et ça tournait encore, et après c'est parti. Il y avait les oies du parc qui ont chanté, tout ça. Mais à mon avis, il y a passé quand même pas mal de cas qui n'ont pas posé nulle part. Parce qu'on a quand même eu des attaques. Je vais les faire. Oh, c'était... Merci Romain, c'était une mère. Hein. Ouais. Une mère pour moi. Ne dites jamais ça à ma femme, s'il vous plaît. J'ai pas l'impression qu'on soit sur du moins 8. Pas si froid que ça. Non. C'est pas moi qui l'ai tué celui-ci. Comment ? C'est pas moi qui l'ai tué celui-ci. C'est toi. Celui-là. C'est toi. C'est, cherche pas, c'est toi. C'est celui qui a dérivé des blettes. C'est le tien. Oui, il parle de l'attaque que t'as. T'as vu ton air de l'autre, t'as vu ton air de l'autre. Alors, ils m'ont répondu tout haut. Bien mieux que lui. J'ai vu un colvert passer comme une balle au-dessus de chez VDM, direction la Belgique. En chassant ici et en chassant plus sur la région de Boulogne, chez nous, en général, quand tu as une bande qui vient sur ta flaque, si tes oies chantent bien, il est rare qu'elles posent pas. Qu'ici, on peut avoir 15-20 bandes d'oies dans la nuit qui vont faire toutes les flaques et puis qui vont se poser nulle part. C'est un peu la difficulté dans ce côté. Mais bon, après, tu as le spectacle qui est là. C'est pour ça que je viens ici, de toute façon, c'est pour voir du spectacle. On voit quand même quasiment toutes les semaines des oies, même si on doit en faire forcément. Que chez nous, pour voir des oies, il faut vraiment qu'il y ait de la migration. C'est le charme de Scott. Tu vois un peu de gibier et surtout, tu as quand même une grosse occasion de voir prélever de temps en temps des oies qu'on n'a pas forcément ailleurs. C'est l'avantage du Nord. Ici moins 8, c'est le nord. Sauf qu'on a quand même remarqué que par des vents d'est sud-est, le gibier vient bien de la gauche si tu veux. Mais plus le ciel est étoilé, plus il vole haut. Et si on met pas de canne à droite pour les reprendre derrière nous, t'as le gibier qui passe, on le fait baisser avec nos champs, il part sur le voisin. Et si on remet les cannes comme on a mis, si tu veux, on a mis une douzaine de cannes sur notre droite, t'as le gibier qui arrive de la gauche, tes cannes le prennent, il baisse un peu, et si elles reprennent le champ derrière, on met quelques cannes sur la flaque pour les faire re-rentrer sur nous. Cette nuit, les deux premières poses ça a très bien marché. Et après, les cannes n'ont pas trop bien chanté. Je pense qu'on a quand même manqué de chant en deuxième partie de nuit. Mais bon, je pense que si on avait eu plus de chant dans l'eau, on aurait peut-être réussi un peu plus.
Bon, là, ce matin, il y a eu un comptage en oies. On est sur 47 000 oies niveau comptage qui sont arrivés cette nuit. Là, donc on est vraiment sur des super vents. Non, on verra ce soir. Hein, on verra ce soir. Donc, toujours quelque chose qui nous fait vibrer et qu'on adore. Les oies, c'est dingue. C'est dingue quand même. Alors la nuit précédente, bon, le vent était toujours hyper bon, on était toujours sur un vent d'est. Donc bon, pour cette hutte, c'est une bonne hutte, mais par ces vents-là, c'est toujours plus dur parce que le canard, vraiment, il arrive ici au-dessus de la flaque. Enfin, vraiment du haut, il voit la masse d'eau au fond, et souvent, avec le vent qui pousse, il va se claquer au fond. Donc ici, il faut vraiment, comme ici, vraiment, on a vraiment mis du champ à droite, vraiment pour le stopper, pour l'obliger à faire le virage. Et donc ici, les nuits précédentes, ils ont une pause de deux rieuses, ils en font deux. Je sais que les huttes au fond, les huttes comme Le Maître, comme Jean Gilbert, comme Fauquet, comme Schlick, ils ont plutôt bien réussi, surtout en oies. Mais il y a quand même pas mal d'oies, avec quelques canards bien sûr, mais c'est surtout les oies. Alors que j'ai envie de dire en baie de Somme, en baie de Seine, tout ça, là on favorise vraiment le canard. Bah là, ce qu'on a fait, on a mis les oies, les mâles au bout pour essayer qu'elles viennent sur les mâles. Après, on a fini avec les femelles là, vraiment sur le côté pour dire qu'elles posent au niveau des femelles et devant les créneaux si possible, quoi, pour le moment du tir, qu'elles soient pas loin et que ça se passe bien, quoi. Le gibier doit venir d'où cette nuit? Là, il va arriver de là, de l'est. Donc, il va arriver, je pense, avec le vent et tout ça, il sera très haut et il volera assez vite. Donc, ici, c'est assez compliqué pour faire descendre parce qu'il y a les derrière qui ont plus de chance puisqu'il va arriver et puis. Il va commencer à descendre ici, donc on va essayer de le stopper en mettant beaucoup de chance sur l'arrivée pour justement le faire baisser, pour qu'il soit plus facile à attraper pour le faire poser par ici, quoi. C'est ça qu'on a essayé de faire là maintenant, on a terminé, on attend, on verra bien comment que ça se passe. S'il faut changer dans la nuit, on changera, rajouter du champ là-bas ou en enlever, on verra bien comment ça évolue. Les meilleurs, on les a mis devant pour essayer qu'ils posent justement là à côté, devant les créneaux, quoi. Celle qui chante la mieux, c'est la combien? Celle qui chante la mieux, bah là en fait on a mis les 4 meilleurs mâles de siffleurs au bout de la ligne là, pour essayer de les poser là, les mâles. Sinon on a mis là une petite amassoire aussi avec son mâle pour les poser là. J'aime bien l'amassoire aussi. C'est une spécialité du Nord, on dit, c'est vrai? Peut-être, je sais pas si les autres régions chassent sans amassoire. Moi j'aime bien nous mettre les petites amassoires. Thank you.
On a la bécassine et on a donc on se fait plaisir, on va dire, ça fait aussi partie de la hutte, je dirais, la petite Nicole. Donc on s'amuse bien, on va dire, on a la chance d'avoir les platières, donc c'est sympa. Donc une belle petite bécassine de prélevé. Merci Guélois. Ciao. C'est un bel oiseau, hein, c'est un bel oiseau. Hop, il y en a une autre juste là, là à bordure. Je vais prendre la bordure avec le chien, tu mets à ma place. Tu prends la bordure, elle est juste là. Attention, il y a encore de la... Hop, allez. 15 mètres devant, 10 mètres devant toi. Elle est vraiment bordure, hein. Ouais. Ouais, elle est partie à droite, mais c'est... Là, viens, viens, cherche là. Cherche à port. Non, cherche à port. Cherche à port. Cherche à port. Vas-y, cherche. Elle est là, elle est là, elle est là. Vas-y, elle est vraiment dans le... Elle a plongé dans les roseaux. Vas-y. Vas-y, cherche, cherche. Vas-y. Chercher 10 ans, le chien elle arrive 10 secondes. Thank you.
là une bécassine sourde. Donc c'est plus petit hein, par rapport à la bécassine des marais. On voit que c'est quand même plus petit. Tu me disais tout à l'heure, vous en avez fait combien depuis l'ouverture ? Depuis l'ouverture, bah, on a fait pas mal de petits gibiers. J'ai pas les chiffres là exactement, mais on a fait pas mal de petits gibiers. Platière là-bas, une petite flaque. J'ai misé 5 minutes là. De quoi ? J'ai oublié de le remettre. Ouais. J'ai mis le trop plein. Vas-y, cherche. On a de la chance d'avoir des grandes platières, ça attire bien les bécassines aussi. Puis là, il y a du bon vent, donc ça nous apporte les bécassines. Il y a les sourdes qui commencent à arriver aussi, donc ça aussi, c'est pas mal. Vous les faites une fois ? On les fait deux fois. C'est de la belle envoie. Putain, les gars, on était bons. C'est vrai qu'Auguste, là, il m'a épaté. Ouais, d'habitude, il loupe bien, là, il tire bien. Ouais, d'habitude, bah, là, mais je pense que d'habitude, on loupe tous jusque là, quoi. Ouais. Ah, là, et là, attends, les trois qui sont partis. Pam, j'en fais une, pam, les trois. Ça, c'est une nouvelle cartouche. On a juste été mauvais. On a juste été. Et le but du jeu, nous, c'est de mettre les chanteuses que là, on va les mettre pour les faire descendre. On voit qu'il y a les piquets là qui sont prêts. Et on va les faire descendre sur la marque pour les faire rentrer de l'autre côté, qui reviennent face au vent et qui posent devant les créneaux comme tout à l'heure. Mais là, ils vont vraiment arriver d'ici, quoi. Au-delà, comme ça. Là, il y a une volée d'oireilleuses qu'on voit là-bas au loin. On les a vues un peu tard, on était occupé de faire les platières, donc elles sont passées. Mais bon, c'est bon signe, ça veut dire qu'il y a un petit déboule. C'est fait. Tu as 47 là-bas, enfin 12, 37 km là-bas. Je vais essayer de faire la boucle. On va prendre 4 pour l'entrée, on va en faire un peu. Ha 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 ha!
ça c'est une super sélection. Ça c'est les sélections qui ont été faites depuis... Ça, en fait ça appartenait au, grand, au père de John. Et ils ont produit et ils ont... On a toujours gardé la souche. Donc ça voilà. C'est les super cannes qui vont chanter toute la nuit. Il n'y a pas trop de champs. Non. Là, il y a moins même. Il faut vraiment faire descendre le canard parce qu'il va arriver très haut, donc il faut vraiment le faire descendre. C'est très dur par les vents comme ça pour nous ici. C'est vraiment le plus compliqué, c'est de faire descendre le canard. Donc les colverts là, c'est 99% de notre chasse. Quoi. La bande d'oie, tout à l'heure on pouvait l'accrocher. Elle était loin quand même. Elle était loin, puis on l'a vu, c'était déjà passé, donc c'est compliqué. Voilà, maintenant, ça va être le meilleur moment là, ça va être la passée. Et la nuit, donc maintenant c'est là que ça va jouer. On n'a pas demandé s'il fallait absolument les casques homologués. Sur la chauve-souris. C'est plus sympa, quand on... Voilà, ils ont et tout, donc vous allez vraiment être alerté, ça t'aura fait quelque chose. Voilà, bah, ça cheval les combattants, on va aller le chercher là. Un chevalier boy, combattant. Bon, c'est bien, hein. Allez, fini. Bon, ok, c'est toujours confiant. Toujours. Après, on verra bien au fur et à mesure de la nuit. On attend la première pause, on attend comment ça se passe, où elle pose, si ça pose bien ou pas. Et après, on verra bien. Ben, t'adormes. Thank you.
on va voir hein, ce que ça donne. Mais... Là, j'ai bougé un mal doigt pour essayer que ça chante un peu plus quand il passe au-dessus. Donc le principe, c'est quoi? C'est bah, d'essayer de le mettre sur l'arrivée parce qu'elles arrivent tous de par là, justement pour essayer de, bah, de le faire déclencher l'attaque pour avoir un bel appel. On a un peu de mal à les faire chanter les oies. Ça va peut-être au moins aussi bon. Mais le vent, il sera plus sud. Donc ce sera mieux pour ici. Ouais. C'est vrai. Dans la volée, c'est tout des rieuses. Ouais, non, mais. Et là, il y a une rieuse dans le parc sur le côté et deux cendrées dans le parc où il y a les folles vertes. Ouais. Il avait pas entendu ses copains, il a tiré tout seul, quoi. John, c'est un échec? Ouais, un échec, mais bon, les voisins, ils ont tiré au vol, quoi. C'est foiré. Elles ont trempé les pattes dans l'eau, elles se sont barrées. Ouais, la prochaine. Attends, les prochaines. La prochaine, ça va être les bonnes. Non, on a tu veux. Et pourquoi elles refusent, là? Bah, je pense que quand les oies du parc elles ont commencé à chanter, celles qui sont pas à nous, ça a carrément fait arrêter de chanter les nôtres. Donc du coup là on les a mis dans des caisses pour que ça ne se reproduise plus. Et on a rajouté un petit paquet de blettes d'oies pour essayer de les faire poser plus facilement. Il y en avait combien? Entre 20 et 30. Attention les lignes, attention les lignes. Retirez le pot de... Putain, ça a été vite les gars. Attention parce qu'il y en a qui sont partis, ils vont peut-être revenir. Attention. Et il y en a au moins 4 par terre. Putain, c'est bon ça. Ouais, non, je vais les ramasser. Combien y en a là, 3? Non, il y en a plus. Pas tout ça. Ouais. Attends, et du coup t'as pas viré la sécurité? Non, non, super poli.
C'est pas facile tous les jours. Elle est magnifique. Elle est super. En fait, si, posez en fait, mais je dis ce que je dis, dedans, tu vois pas comme moi. Pour vous, tout repartait alors ouais. Qu'ils étaient occupés de refaire. Quoi? Et là? Ouais. Pourquoi elle a pas entendu la bande qui pose après? La bande qui pose après. La bande, elle fait ça, hop, elle est remontée. Elle est remontée avec un deux cols. Elle devait se barrer la bande. Ouais, non, c'est pas ça. C'est comme je viens d'expliquer, tu vois pas la même chose que moi de dehors. Ouais, et j'avoue. Quand tu les vois remonter, tu crois, parce qu'il y a les cannes de colle, t'as tellement l'habitude, tu penses qu'ils vont se barrer. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout, elles étaient occupées de se diviser en deux. Donc elles voulaient se poser à deux endroits différents. Et en fait, comme ça s'est posé, renvolé, bah elles sont renvolées, elles allaient regrouper, refaire un tour et reposer. De toute façon, avec les oies, tu verras, ça sera jamais le gourmand. C'est, t'en as 5 qui posent, tu tires les 5. Et vous étiez à quelle heure en fait? Ouais, ça fait combien de temps que je vous dis de prendre vos flingues? Mais mes flingues? Mais moi j'attendais là avant la gauche. Mais non, on a dit on y va. Bah ouais, moi j'étais là, on y va, un, deux, boum. C'est pas grave. Enfin, attention juste, mais moi bon, j'arrive pas à la sortir, mais elle est là. Tu la verras demain matin, tout à l'heure. Si ça peut poser après manger, parce qu'on a faim. Faut pas me déranger. Ramène le plat, putain, il ramène le plat, ça peut. Ça le met. J'avoue, John, bravo. Ouais, John, bravo. Hein. Chapeau. Hein. Et vous avez vu, j'avais dit qu'elles doivent poser entre la blette de souché et les deux blettes d'oie. Et elles ont posé où? Entre la blette de souché et les deux blettes. Si tu peux aussi bien la cuisine, que vraiment tu poser les oies, ça devrait pas être dégueulasse. Ah, j'aime pas poser moi. Après, quand tu l'as une grosse cartouche, ça m'arrive pas et tout. Ah, c'est beau, bravo. C'est vrai, au moment où on tire, il y en a 4 de groupés et une sur la droite. Et donc il y en a une et sur la droite. Et là, on a fait des ailes là, non. Du coup, de. Comment ça s'appelle? Argentin. Alu. Un truc d'argent, là, je sais pas quoi. Là. De l'alu, c'est pas d'argent, c'est ça. Putain. Le sel, non, mais putain. Génial. Hein. Magnifique. Ah, bravo, les gars. Ouais, magnifique. C'est beau, c'est. Ah ouais, faut essayer. Elles sont faites, celles-là. Bah, celles-là, elles sont au clos, elles bougeront plus. Hein. Alors, celles-là, elles sont mortes. Dieu. Et en plastique, c'est qu'on a ramené dedans. Par contre, j'ai chaud. Je tape un petit sprint de la flaque là. Ah, bravo. Et genre, tu t'es pas arrêté de siffler parce que. Je... Oh, c'est en fait, ce qu'il faut, c'est en fait, le truc, c'est quand elles sont arrivées de chez Bélanger, je les ai vues arriver tout en ligne. J'ai dit, c'est bon, elles prennent l'attelage, j'ai arrêté. Parce qu'elles vont forcément passer au-dessus des oies. Mais en fait, quand tu siffles, dès qu'il y en a une de tes oies qui commence à chanter, là, faut que t'arrêtes tout de suite. Parce que du coup, les autres, elles vont se mettre à répondre. Et si t'arrêtes pas toi, tu vas rien faire chanter du tout. Tous les autres, elles vont continuer de se taire et du coup, t'auras rien. T'auras pas de chant. J'ai on prend les 5, on allume. Et j'ai vaut mieux en tuer 4 ou 5. Et... Ouais, c'est quoi, le gros paquet, il est remonté à cause des cannes de colle. Il a remonté sur les cannes de colle. Là, pour le coup, elles étaient bien groupées quand même. Et puis, franchement, pour moi, vous avez bien fait de tirer parce que nombreux de fois, ça m'est arrivé. Tu vois qu'il y en a 5-6 qui posent, le reste, il commence à tourner. Et au moment où les autres reviennent pour poser, les 5-6 redécollent et du coup, hop, le reste suit. Et les 5-6, comme elles ont bien coupé et tout ça, elles tracent et tout le reste s'y suit et t'as rien. Mais le pire, c'est que je lui dis, regarde, ils vont arriver de là. Et au moment où je dis ça, je les vois arriver. Et l'autre qui dit, ah, c'est. Là, ah, c'était beau. Ah, c'est beau, bravo. Thank you.
commence à bouger. Moi je prendrais une droite. En dessous, tu lèves. En dessous de la barre. Ouais. Je pense une droite. Je pense une droite. T'es prêt, t'as envie, t'es prêt? Je suis pas dedans, mais vas-y, allez-y. T'es prêt, les gars? Ouais. Allez, sécurité. 1, 2. On est toujours en vue. Ouais. Si, non, un qui est mort. Non, un qui nage. C'est chaud, hein? Toi, t'as le verre. Le mal doit être parti sur la berge. Donc tu vois que c'est un beau colvert parce que la couleur du bec déjà, tu vois, elle est bien comme il faut, avec le bien dessiné, tout ça. Les beaux miroirs, les belles couleurs du colvert et les pattes bien oranges. Pas le colvert du coin qui a les pattes à moitié noires et tout ça, c'est vraiment les beaux petits colverts. Un peu costaud quoi. Là on va bouger un peu parce que le vent a changé. Il reste sud-est alors qu'il est passé sud. Du coup on va bouger quelques câbles. On va mettre le champ à droite. Pour quelle raison? Parce que sinon, si on le laisse à gauche, le canard va remonter. À gauche, il peut remonter là à gauche. C'est pour ça. Donc on va bouger tout ça. Les deux oies, là, on pouvait pas les faire. Non, elles étaient à 100 mètres. Elles étaient à 100 mètres, malheureusement. Malheureusement, elles étaient trop loin. C'est super rare d'en faire en couleur. Parce que c'est ce canard que tu vois plus en début de saison, l'été. Bah en fait, c'est en couleur. C'est en couleur quand il n'a plus. Bah, il n'a plus. Quand on ne voit plus. Alors que la femelle n'a pas beaucoup de couleurs. La femelle, bah, c'est comme une canne de colère avec les... le bec qui change, quoi. Et la taille. Toutes les femelles de canard n'ont pas beaucoup de couleurs. Oh, tous c'est les singes, elles font mon ami. Je suis ok pour vieillir de plus en plus. Il a préparé toute la bouffe et tout, hop, nickel. Et après, t'as son canard. Il faut s'en soucher. Regardez, on l'a déjà cuisiné sans soucher. C'est vite fait, hein. C'est pas grave. Belle pause. Belle pause. Allez, 5.
Très bien. Hein. Vas-y, c'est bon, il y a un paquet à gauche là. Un paquet à gauche, un paquet à droite. Attends, 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 attends qu'ils se rassemblent. Ouais. Alors bon, au pire, vous prenez le paquet gauche, ouais. Je vais prendre ce de droite. Ok, on attend. Les gars, ils sont au paquet de droite. On attend. Ouais. Vous êtes prêts? Voilà. Sécurité. 1, 2. Ah ouais, il y a un terrain. On en met deux par terre. Allez, tirez, allez, tirez. C'est tenté les gars. 4 sur 7 c'est beau. Il y en a un qui tombe, qui était déjà blessé. En fait il y en a 4, nous on a tiré au vol. Ouais. Il y en a un qui a été touché et puis il tombe au garage. Yeah,